it's not me, it's not my family in your head that I'm fighting. With the tears and their bones and their bones and their guns in your head, they are crying. C'est donc Zombie des Cranberries qu'on a chanté à The Voice en 2017. Voilà, ça remonte un petit peu, mais ça fait quand même des beaux souvenirs. Ça remonte, mais ça reste d'actualité pour nous. C'est, ouais, c'est un super souvenir qu'on aime partager tout le temps avec vous, enfin, dans notre vie, quoi. Voilà, et du coup, aujourd'hui, on vous présente un petit peu notre univers. Cette première chanson, c'est une belle symbolique pour nous parce que du coup, c'est celle qu'on a chantée pendant cette émission, qui nous a fait découvrir vraiment au grand public. Et du coup, on vous incite, si ça vous plaît, à nous suivre aussi. On a une chaîne YouTube, enfin plein de réseaux sociaux, et un très beau projet d'album qui est en train de sortir. D'ailleurs, demain, on sort notre EP et on va vous chanter quelques chansons de cette EP. Dont une première qui s'appelle Dili Doba, et qu'on a sorti en 2019, je crois. C'est ça. 2019. Atteso una diama, una diama y speranza. Chi mi parla anche di miei sogni, a chi ogni fa campare libertà, chi ognuno tiene la sua mente. Dili Doba si arraiga in terra santa.
sognando un giorno partirò. Sì, ma altre del mondo no, chi ci vorrà dire. C'est une chanson qui s'appelle Fade et qui a un but et un message très très important. C'est une collaboration qu'on a faite avec l'hôpital de Bastia pour sensibiliser aux gestes de premier secours. Et en fait, sur le rythme de cette chanson, elle a été créée pour qu'on puisse réaliser un massage cardiaque lorsqu'une personne fait un malaise à côté de vous, chose qu'on n'espère pas, mais ça peut arriver. Et l'hôpital et les services publics se sont rendus compte qu'il valait mieux faire un très très mauvais massage cardiaque que de rien faire du tout. Donc c'est un moyen un petit peu mémotechnique de retenir ce rythme qui est de 120 battements par minute, qui est très très important et c'est vraiment quelque chose qui peut sauver des vies. Donc voici FAD. Yeah.
Merci. Merci. C'est la note. C'est la note. Et enfin, notre dernière chanson, on va dévoiler un titre en exclusivité de notre EP de demain qui s'appelle... Donc l'EP s'appelle Fade, comme le single qu'on vient de chanter. Et le titre s'appelle Disaigne et parle de... Explique-nous un peu de quoi ça parle. Disaigne, ça parle alors de notre tout jeune âge quand même, parce qu'on n'est pas très vieux, mais ça parle de notre enfance. Et... de tout ce qu'on a vécu dans, je dirais, dans notre jeunesse, dans la cour de récréation avec nos copains, l'insouciance en fait, en gros, de dessiner, de faire une peinture de ce monde magnifique avec toutes ses couleurs, et on a voilà, voulu mettre en musique, écrire cette insouciance et ce plaisir qu'on avait quand on était jeune. Du coup, ça s'appelle Disaigne. Du coup, qui veut dire? Ça veut dire dessin. Voilà. Qu'on dessinait dans la cour de récréation avec des... décret. Voilà. Et bah, sur le. Sur le marais, je sais pas. C'était tout noir, c'était du goudron à l'époque. Là, c'est vrai qu'on avait des craies de couleur. Tu les avais, toi, à l'époque? Un cours de craies. Tu les avais? Tu les volais au tableau chez la maîtresse? Ben oui, il n'y a pas le choix. Sort demain et notre album du coup sortira l'année prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et aussi sur Deezer, Spotify, aller découvrir un petit peu mieux notre univers. On remercie la page Musique Over Création de nous avoir invités.
Merci beaucoup. C'était un grand honneur pour nous. Un grand plaisir. Et on a passé un très bon moment. Merci. Merci beaucoup. Et à la prochaine sur les concerts. C'est ça. On va éteindre, hein? Oui, je... Vas-y. Ils sont toujours timides. We the tanks and their bombs and their bombs and they're gonna see your head.